Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il fait beau, il y a du soleil. Dehors, il fait pas très froid. Donc, c'est idéalement le moment pour tourner cette vidéo. Donc, tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais t'inviter, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo et aussi à me dire en commentaire ce que tu auras pensé de cette vidéo. On se retrouve tout simplement pour un haul. Je vais vous tourner mon haul Amazon pour mes cheveux. Voilà, c'est une chaîne qui est plus poussée vers la coiffure, vers la mode, vers les tutos et tout. Donc je me suis dit pourquoi ne pas partager avec ma communauté, avec mes beautés qui me regardent, les produits récents que j'ai achetés sur le site de Amazon qui vont me faire, je pense bien, peut-être un bon moment, peut-être 6 mois, j'espère en tout cas, parce que c'était un peu, voilà. Donc voilà, c'est tout simplement ça. J'avais envie de vous partager ça et aussi de vous dire pourquoi je vais les utiliser, parce que après, pour les vidéos que je vais tourner, je vais les utiliser, je vais vous remontrer encore à chaque fois avant de mettre sur mes cheveux. Je vais vous montrer ce que j'utilise. Mais je me suis dit, bon, tant qu'à faire, pourquoi ne pas faire une vidéo avec tout ce que j'ai acheté, au moins si elle veut être à jour pour les prochaines vidéos là. Elles vont déjà acheter pour elles, elles gardent à la maison et puis on va utiliser ça en même temps. Donc quand la vidéo sort comme ça, il n'y a plus à commander, le matériel est déjà là, donc vous utilisez seulement. Donc voilà, voilà. Là, je vais regarder à chaque fois par ici parce que c'est là que j'ai remis tous les achats que j'ai fait. Je vais commencer par vous présenter cette perruque que j'ai pris sur le site de Amazon. Franchement, je vais vous mettre quelque part ici un petit récapitulatif du tuto que j'ai tourné avec, mais juste pour vous dire que je ne cesse de le répéter sur tous mes réseaux, c'est la meilleure perruque bandeau. C'est la meilleure perruque bandeau que j'ai, enfin c'est la première aussi hein. Donc comprenez-moi, c'est la première et pour moi c'est la première fois que j'achète une perruque bandeau et c'est la meilleure aussi que j'ai acheté parce que j'aime trop la qualité. Je ne sais pas si vous voyez mais franchement, les mots me manquent, les mots me manquent. J'avais besoin de quelque chose de comme ça. Vous savez, quand on est un peu dans ce truc-là, dans ces tutoriels et tout, il y a des fois on est fatigué. Il y a des fois on est fatigué. On n'a pas envie de tourner de longues vidéos. On n'a pas aussi envie de toucher ses cheveux. On est fatigué. Et bah à ces moments-là, ce serait pas mal d'avoir ce genre de choses en fait. Parce qu'on a juste à poser ça sur la tête, je vous jure. En 5 minutes. En 5 minutes, vous avez placé cette perruque là, vous faites vos baby hair et puis vous êtes tranquille. Franchement, je vais aussi vous présenter le produit que j'ai pris pour les baby hair parce qu'il est vraiment magnifique. Mais vraiment, vraiment, je ne regrette pas mon achat parce que ça, c'est la meilleure perruque que j'ai achetée depuis que j'existe quoi. C'est la toute première fois que j'achète une perruque de si belle qualité, de si bonne qualité et une si belle perruque à un prix aussi bas. Donc, on sait comment les perruques coûtent cher maintenant. C'est très très cher. Mais là, franchement, pour une 50aine d'euros, j'ai eu cette perruque-là. Je vous la recommande à 1000%. Donc là, j'ai pris un foulard que j'ai chez moi, que je mets d'habitude sur mes cheveux et tout. Et c'était juste pour vous montrer en fait que vous n'êtes pas obligé aussi de garder ça sous forme de bandeau et tout. Si vous voulez changer de style, c'est tout à fait faisable de changer de style. Donc là, par exemple, j'ai juste mis un foulard et puis c'est nickel. Voilà. Donc, pour faire mes baby hair là, vous allez voir un peu, par ici, il y a des produits, je les ai tous fait sortir du sac pour éviter de les faire sortir à chaque fois. Donc, pour faire mes baby hair, j'ai tout simplement pris ça. C'est Crème of Nature, la marque. Crème, je ne sais pas si je dis ça bien, mais Crème of Nature.
avec l'huile d'argan et qui vient du Maroc. C'est vraiment utile pour faire tout ce qui est baby hair, pour plaquer vraiment. J'ai utilisé ça quand je vous ai mis dans la vidéo que j'ai mis là. J'ai utilisé ça et j'ai trop aimé. Je me suis dit, mais il y a, ça sent bon et tout. La forme, l'aspect, ça laisse pas des traces blanches. J'aime trop, vraiment. J'aime beaucoup, beaucoup. Et moi, j'aime bien ce genre de design là. Je trouve ça vraiment joli. J'aime trop leur boîte. Et comme j'ai décidé cette nouvelle année d'utiliser à peu près les produits de la même marque, donc Flèche en mode test, j'ai décidé de tester cette marque-là, Crème of Nature, d'utiliser leur shampoing. C'est ça le shampoing? Ouais. Donc, d'utiliser leur shampoing et leur conditionneur. Donc là, je les ai pris tous les deux. Je vous avoue que je n'ai pas encore eu l'occasion de faire mon shampoing avec. J'espère que je vous filmerai ça. Mais sachez que les filles, votre copine, c'est ça qu'elle utilise maintenant pendant un bon moment pour faire son shampoing. Donc, quand vous allez regarder mes cheveux là, si vous voyez que c'est sale, oh, que c'est propre, oh, que c'est joli, oh, que c'est machin, oh, c'est ça la cause avec ça. Donc, ça, c'est d'après ce que j'ai pu comprendre en son anglais. Mais d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est un conditionneur sans rinçage. Donc, après mon shampoing, je vais juste mettre ça et puis je vais laisser comme ça. Et après, je peux coiffer mes cheveux comme bon me semble en fait. Donc, voilà. Donc, pour tout ce qui est baby hair, tout ce qui est chignon, tout ce qui est plaquage de cheveux, j'ai encore pris mon gel Red One, comme vous le connaissez si vous êtes ancienne sur cette chaîne. Ça, c'est mon gel préféré. Franchement, je l'utilise beaucoup en fait, ce gel-là. Je l'utilise beaucoup. Enfin, c'est plus une cire, hein, c'est pas un gel. C'est une cire coiffante. Et quand vous avez des cheveux un peu comme moi, comme ça, qui sont vraiment têtus, vraiment durs, vraiment tout, bah ça, c'est bien. Parce que ça va bien les sensibiliser, bien les attraper, ça va plus bouger. Donc j'aime vraiment cette cire-là. Et dans toutes mes vidéos, je vous mets toujours. Bon, pas toutes, parce que je pense qu'au début, j'utilisais une autre. Mais c'était toujours une cire coiffante, mais c'était juste que c'était une autre marque. Et c'était en bleu, souvent en rouge. Donc ça, c'était. Voilà. Mais vraiment, depuis que j'ai découvert ça comme ça, en couleur transparente, j'aime beaucoup. Donc, je l'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps sur mes cheveux. Autre chose que votre copine a décidé de prendre, ce sont mes beurres de karité. Parce que les beurres de karité, vraiment, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, déjà pour le corps. Mais aussi pour les cheveux. Donc, vous voyez que j'ai pris deux pots. Et les pots, ils sont vraiment énormes. Regardez, ça fait la taille de ma main, en fait. Ça fait la taille de ma main et voilà, moitié de ma main. C'est vraiment énorme. Et on a 800 grammes dedans, dans celui-là. Et ici, il y a 500 grammes de beurre de karité. Donc, pourquoi je les ai pris? Ouais, vous pouvez me dire, mais tu aurais pu prendre un, en fait. Parce qu'il y en a beaucoup. Mais le truc, c'est que j'avais envie de prendre un qui est spécialement conçu pour mon corps et un autre spécialement conçu pour mes cheveux. Là, au moment où je vous parle, j'ai pas encore décidé duquel est celui qui est pour les cheveux et celui qui est pour le corps. Mais je pense plus que ça va aller sur mes cheveux vu comment c'est assez solide, assez rigide. Bon, on va l'ouvrir ensemble. Vu comment c'est solide là, ça fait des boules et tout. Je pense qu'on va l'utiliser sur les cheveux. Au moins, je peux d'abord le mettre au micro-ondes pour que ça puisse fondre avant de l'utiliser sur mes cheveux. Et que ça, vu que c'est déjà un peu plus solide, plus liquide, plus voilà, ramolli, je vais peut-être l'utiliser sur mon corps tous les soirs ou tous les matins et tout. J'aime beaucoup. Ça vient de la Côte d'Ivoire. Origine Côte d'Ivoire et vraiment les filles ça sent du pur beurre de karité. Bon ça c'est fermé mais l'autre il sent vraiment le beurre de karité. Ça aussi ça sent vraiment le beurre de karité. Ils ont traité vraiment le vrai avec la sale odeur là. Ça
Ça sent vraiment, vraiment. Mais bon, quand on veut être belle, parfois, ce genre de choses qui puent là, ça aide. Donc, voilà, mes beurres de karité. Je vais vous mettre les liens en tout cas. Ça, ce sera sûrement pour les cheveux. Pour tout ce qui est soin de cheveux, je vais vous montrer à chaque fois que j'ai pris ça. Et pour mon corps, bah, je ne fais pas trop de vidéos par rapport au soin du corps. Mais sachez que c'est ça. Donc, voilà. Ensuite, ce que j'ai écrit d'autre sur le site de Amazon, c'est tout simplement ces chapeaux-là. Ces chapeaux-là, c'est un peu des chapeaux assez populaires. Voilà, j'ai vraiment pris ça sur le coup de waouh, j'aime trop. Et puis tout le monde tourne des vidéos avec. Moi, j'aime bien l'aspect, comment ça rend et tout. Vous voyez? En tout cas, j'essaie de vous mettre une photo hein, parce que j'ai pas envie de me décoiffer là pour mettre ça. Mais il y en avait trois. Il y en a en noir, en doré là. Et en violet. Donc j'ai déjà utilisé le noir. C'est ça que je tue en ce moment-là. En ce moment-là. Quand je suis fatiguée, je n'ai pas envie de me prêter. J'ai pas envie de. Je prends le noir là, je mets sur ma tête. Celui-là au calme. Devant la télé. Donc c'est un peu ça. Vous voyez comment le doré là, il donne. Hein? Le doré, en tout cas, il donne. Il y avait plusieurs couleurs, il y a plusieurs combinaisons de couleurs, je crois. Et moi, soit deux, soit plusieurs combinaisons de couleurs. Et moi, j'ai choisi ça parce que j'aimais le noir et le doré. Mais je pense que le violet aussi, ça peut donner quelque chose en fait. Donc voilà. Pourquoi j'ai pris ça aussi, malgré, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'effets de mode dedans, hein, la vérité. Mais en fait, j'ai aussi pris ça, c'est parce que c'est en soie. Et donc, je me suis dit, bon, quand je finis souvent de faire mon shampoing et que je vais pas me coiffer les minutes qui suivent, autant mettre vraiment un bonnet en satin comme ça. Je crois que c'est en satin, mais en soie, je sais plus. Avec cette matière-là, et mes cheveux seront bien, bien, bien protégés. Ils vont pas se casser parce que le coton, ça casse. Et voilà, donc mes cheveux seront bien, bien, bien protégés. Donc, on va enlever ça. Vraiment, la qualité y est. La qualité, le design et tout, franchement, je vous recommande ce genre de truc à 1000%. Ensuite, j'ai pris mes élastiques. Parce que généralement, quand je fais tout ce qui est braid, tout ce qui est vanille, voilà, les tresses, j'aime bien attacher d'abord mes cheveux avec des élastiques. Comme ça rend un effet un peu plus professionnel. Vos tresses apparaissent un peu plus professionnelles, un peu plus maîtrisées, voilà, propre quoi. Ensuite, j'ai pris ça, il en manque déjà deux. J'ai pris ces petits trucs pour les chignons bun là. Mais il en manque déjà deux parce que j'ai tout simplement fait un chignon que je vous mets également là. J'avais fait ce chignon là avec ça. Et j'ai beaucoup aimé. C'est vrai que quand j'avais commandé, je m'attendais à ce que ce soit un peu plus gros que. Enfin, parce que là, c'est vraiment pour filles et femmes. Donc. C'est pas que pour les grandes dames, que les grandes femmes là, elles, on a souvent plus de cheveux que les enfants qui ont moins de cheveux, qui sont plus. En fait, elles ont une petite tête, donc les cheveux sont moins touffus et tout. Elles ont des cheveux plus fins, plus faciles à coiffer et tout ça. Et là, c'est conçu non seulement pour les filles, mais aussi pour les femmes. Donc, je comprends qu'ils ont voulu faire un truc. Qui pouvait passer avec les femmes et qui pouvait passer avec les filles. C'est bien écrit donut à chignon en mousse pour kids, filles, femmes. Donc voilà, pour les enfants, les filles et les femmes. Mais franchement, moi, quand j'ai utilisé ça, vu que j'ai beaucoup de cheveux, j'en ai mis deux. J'en ai mis deux d'un coup sur mes cheveux, je les ai superposés. Et c'était nickel, le résultat était nickel, c'est comme si j'en avais mis un seul coup. Donc voilà, au final, je regrette pas du tout mon achat. Parce
Il y en a plusieurs dedans, donc je peux vraiment, en fonction de ce que j'ai envie de faire, je peux mettre même les quatre d'un coup, les trois d'un coup, pas passer. Donc, ça pour les chignons bun, ça sauve la vie en fait. Quand on n'a pas envie de faire trop de coiffures compliquées, on n'a pas le temps, on a peut-être devant nous 20 minutes pour s'apprêter. Les chignons comme ça là, ça sauve la vie parce que non seulement c'est plus joli, c'est classe, c'est beau, ça prend pas du temps et puis on va apprécier votre coiffure. Donc on sort plus ridicule en cette année 2023 là. Ensuite, je commence par lequel? Comment ça fait? C'est plus coloré. Donc ça, c'est tout simplement des barrettes que j'ai pris. Pour quand je fais des chignons, justement, comme le chignon que j'ai fait là, quand je fais ce genre de chignon, quand tu mets une petite barrette ici, là, derrière, ou bien ici, sur le côté, tu fais d'abord ton trait là, après tu mets ça comme ça. Les filles, le résultat est parfait. Même si tu prends, tu mets derrière, tu fais d'abord ton chignon, tu fais ton chignon, et après tu mets ça derrière. Le résultat, c'est parfait. Attends, on va prendre un. On va prendre un. Je vais vous montrer de quoi je parle. Même si là, j'ai pas fait de chignon. Là, j'ai pas fait de chignon. Donc, en soi, on va pas bien voir ce que je dis. Mais je vais attacher mes cheveux. Et puis, je vais vous montrer ce que je veux dire. Au moins, l'image sera plus. Ah là, j'ai l'impression que partout comme une Gabonaise. Mais je suis Gabonaise. Donc là, j'ai choisi celui-là. J'ai choisi celui-là. Très magnifique, là. Très magnifique. On va prendre ça et puis on va attacher les cheveux. Voilà. Donc, on prend comme ça. Si vous avez les cheveux bouclés et tout, vous pouvez faire même la coiffure là, comme ça. Quand on va vous regarder votre chignon derrière, ce sera un chignon très joli. Très pensé. Donc, vous voyez un peu ce genre de choses-là. Ce genre de résultat là, non? C'est parfait. Voilà. Voilà. Donc c'est de ça dont il s'agit. C'est de ça dont il est question dans cette vidéo. On élève le niveau. Les choses ridicules, on arrête. C'est resté en 2022 là-bas. En 2023 là, on level up. Donc vous pouvez aussi parfois mettre ça comme ça. En tout cas, vous pouvez créer des styles, mais des styles vraiment. Vous pouvez créer plein de styles avec ce genre de choses. Vous faites ça comme ça, après vous ramenez ça sur le côté comme ça là. Vous voyez, non? Quand vous tournez la tête, il y a un truc. Quand vous mettez comme ça, il y a un truc. Quand vous mettez comme ça, on ne se doute pas, mais quand vous refaites comme ça, il y a un truc. Donc, celles qui seront intelligentes iront acheter déjà ce genre de choses-là. Parce que vraiment, ça fait toute la différence. En plus, ça, j'ai bien aimé parce qu'il y avait vraiment de belles, il y a vraiment de belles couleurs. Il y a de belles couleurs. Je vais un peu nier la luminosité. Voilà. Il y a de très belles couleurs. Et il y a des formes vraiment très jolies, hein. C'est très joli, c'est trop classe en fait. Donc là, j'imagine un peu les chignons que je vais faire avec. Je sens la gloire céleste se poser sur moi en fait. Donc, les filles, je vous recommande à 1000% moi, augmenter un peu la lumière, sinon vous allez plus me voir. Mais je vous recommande à 1000%, même 2000, je vous recommande. Dans le même ordre d'esprit, dans le même... ordre d'idée ou dans le même esprit, comme vous voulez. Dans le même esprit, il y a ça que j'ai écrit. C'est la même chose, sauf que là, c'est vraiment pour des chignons élégants, vraiment très travaillés. Ça, c'est si vous faites des chignons pour vous rendre à des cérémonies et tout ça. Voilà, mettez ça, vous mettez ça seulement comme ça là, sur le côté. Et puis, il y a un truc. Voilà. Mettez ça comme ça sur le côté. Attendez, j'essaie de bien vous montrer parce que sinon mes copines là, elles vont dire que toi tu viens nous présenter les produits comme ça. On ne sait même pas à quoi ça sert. Donc là, je vous montre bien clair. Vous voyez, non? Vous mettez les choses comme ça. Vous mettez les choses comme ça. Oh, les filles, élevez le niveau. Donc vous mettez les choses comme ça. Quand vous arrivez là,
On va d'abord dire que ça, c'est qui rentre dans la salle là? C'est qui ça? C'est qui, oh? C'est qui? Oh, là, j'ai pas envie de gaspiller ma perruque. Mais vous voyez le sens. Vous voyez les choses que je suis en train de dire. Donc, vous mettez ça comme ça, comme ça. En fait, ça apporte toujours quelque chose d'autre, en fait. Ça apporte quelque chose de différent. Quelqu'un qui met juste, par exemple, sa perruque comme ça, et quelqu'un qui aura pris la peine de prendre ça, de mettre ça bien dosé sur le côté, aura forcément plus d'élégance. Soyons honnêtes. Donc, moi, j'ai pris ça parce que je me suis dit que l'année 2023, là, qui va se négliger? Qui? Personne. On se néglige plus, en tout cas pas sur cette chaîne-là, mes copines et moi, on se néglige plus. Donc, j'ai pris ce genre de choses-là parce que je me suis dit que même quand je vais faire les chignons simples, simples là, que je leur montre souvent, il faudrait que j'ajoute des choses qui vont vraiment faire la différence entre mes copines et moi et puis les autres filles. On ne peut pas être toutes pareilles. Il faut quand même qu'on sente la différence que nous, on regarde les tutoriels beauté. Donc, dedans, il y en a plein. Il y a plein de modèles. Hein. Il y a plein de modèles. Ça, c'est la même chose que ce que je vous ai montré. Dans la luminosité. Voilà. Après, il y a plusieurs comme ça. Mais qui sont vraiment séparés, séparés. Il y en a un. Vous voyez, quand tu fais les chignons, tu fais un chignon bien dosé là. Tu prends ce genre de choses-là. Tu piques. Tu piques tout autour de ton chignon, tout autour, tout autour, tout autour, tout autour, tout autour. Le résultat de ça, le résultat de ça, c'est parfait en fait. Là, j'ai trop mis de lumière, vous allez trop me voir. Le résultat est parfait. Le résultat, hop, excusez-moi, je ramasse tout ce qui est tombé. Donc, le résultat est parfait. Moi, je vous recommande. À 1000%, commandez déjà parce que quand je vais commencer les vidéos là, il faudrait qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Il faudrait que au moment où la vidéo sorte, vous êtes dans la capacité de faire la coiffure là 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 là. Il n'y a plus à attendre longtemps hein. Avec la vidéo, en tout cas, il n'y a plus à attendre longtemps. Donc voilà. Ça fait déjà 25 minutes là que je suis en train de parler. Là, 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 c'est chaud. Prochain produit que je vais vous présenter, c'est ça. Parce que les filles, votre soeur avait un lisseur de la gloire. Le lisseur que j'avais vraiment, c'était du n'importe quoi. Moi, j'avoue, c'était du n'importe quoi. Donc là, je me suis dit. Pour cette année 2023, j'ai beaucoup d'ambition en fait. J'ai beaucoup d'ambition, j'ai beaucoup de coiffures que j'aimerais faire, j'ai beaucoup de choses là-dedans. Il y a la notice pour pouvoir utiliser et tout. Donc, je vous montre ça là. Il y a la notice. J'ai beaucoup d'ambition, comme je vous disais cette année. Donc, pour que mes ambitions arrivent à manifestation, il faudrait que je puisse me mettre et donner les moyens de les atteindre en fait. Donc, quand on ouvre la boîte, c'est comme ça. Ça, c'est pour mettre de l'eau. Parce que ici, là, ça fonctionne à la vapeur. Ce n'est pas des choses ridicules. Hein. Ça fonctionne à la vapeur. Donc, dedans, ici, on met de l'eau. Après, quand tu mets de l'eau, quand tu fais. C'est la vapeur qui lisse tes cheveux. Oh, laisse-moi hâte d'essayer. Donc, voilà la bouteille pour l'eau et tout. Donc, je vais faire. Le lissage, je vais vous montrer aussi parce qu'il faut qu'on soit honnête. Donc, honnêtement parlant, je vais vous mettre la vidéo de si ça fonctionne ou pas. Dedans, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un peigne. Vous voyez, non? Ça là, les dents là, que je touche là, c'est comme un peigne en fait. C'est une brosse. C'est une brosse. Et généralement, quand je vois les vidéos de lissage, les vraies vidéos de lissage là, il faut souvent mettre le peigne en bas et après on met le lisseur et puis le peigne ici. Comme ça on démêle et après on lisse. Sauf qu'avec ça, il y a déjà la brosse dedans en fait. Donc on a jusqu'à mettre et puis ça fait les deux en même temps parce que franchement, attraper un peigne et puis faire ça quand on est.
toute seule, je trouve que c'est un peu compliqué. Quand c'est une coiffeuse qui vous le fait, bon, il y a la technique. Mais quand on est toute seule, compliqué, compliqué. Une autre chose que j'ai pris, comme vous me connaissez déjà, on est ici là sur la chaîne des tutos. Donc, ce que j'ai pris, les mèches. Les mèches, ça ne peut pas manquer. Quand je commande quelque chose sur Amazon, là, les mèches, ça ne manque jamais. Parce que j'aime bien la qualité des mèches qui sont sur Amazon et on ne les retrouve pas sur place ici. Donc, on les retrouve parfois, mais généralement, ce qu'on prend sur place dans les magasins de cosmétiques africains, pour les trouver sur Internet, sur Amazon, parce que moi je recommande beaucoup plus Amazon à mes abonnés, à ma communauté. Donc pour trouver ces produits-là sur Amazon, je galère. Littéralement, je galère. Et de même aussi, ce qui est sur Amazon, pour trouver ça dans les salons de coiffure, c'est compliqué. Donc personnellement, je me suis dit, du moment que j'en ai l'occasion, je vais toujours commander les mèches sur Amazon. Au moins, je pourrais partager directement sans aucune difficulté avec ma communauté. Pardon, parce que si elles sont là, c'est quand même pour ça en fait. Donc, faut pas que je leur propose des produits qui ne seront pas du tout accessibles et tout. Donc, voilà. Et les mèches, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup dans mes vidéos. Donc là, j'en ai pris celle-là qui est très, très, très longue. Les filles, en tout cas, ça, c'est hyper long, vraiment, c'est hyper long, j'aime trop. Je pense que la couleur ici, c'est un peu doré sur sur le bas et voilà, marron en haut. Dans le paquet, il y avait ça. Dedans, attendez, dedans il y en a exactement 8, il me semble. Je vais vous mettre le nombre de mèches ici, hein, parce que là je ne me rappelle pas exactement, mais je sais que ça couvre toute ma tête et ça peut même faire deux coiffures. Donc, voilà. Une dernière chose que j'aimerais vous montrer, qui ne fait pas partie de de ma commande de maintenant, mais qui fait partie de d'une ancienne commande que j'avais passée, c'est tout simplement ça. C'est une brosse coiffante. Je vais vous mettre la vidéo ici, comment je l'avais utilisée. Parce que quand je me tresse, j'ai parfois des difficultés pour peigner mes cheveux. Parce que je me défrise les cheveux. Et donc, il y a un moment où j'ai la repousse. Quand j'ai la repousse, c'est très compliqué de peigner les cheveux et ça me donne la flemme. Donc, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas prendre déjà une brosse chauffante? Au moins, je les peigne avec ça. Parce que quand on peigne avec ça fait pas mal du tout. Pas mal du tout que quand on peigne avec le peigne, là, ça fait très mal. Donc, je peigne d'abord avec ça et après, je vais me tresser. Les cheveux seront déjà démêlés. Donc, j'ai pris cette brosse-là de chez Philips qui est vraiment très 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 bien, que j'utilise depuis quelques mois déjà et que j'aime beaucoup 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 beaucoup. Donc ça fait pas partie de ma commande actuelle, mais c'est quelque chose qui va revenir, qui revient très souvent sur mes vidéos. Donc je voulais vous présenter ça également. Il y a quelque chose que j'ai oublié, j'ai omis de vous montrer tout à l'heure, c'est cette brosse là. Cette brosse, je pense que tout le monde la connaît. Une brosse assez populaire que j'ai déjà vu dans pas mal de tutos, dans pas mal de vidéos. Donc j'ai décidé de la tester. C'est cette brosse là, vous voyez, souvent on la voit dans les vidéos où les filles font leur shampoing et tout ça. Elles montrent souvent cette vidéo, cette brosse là. Donc je vais l'utiliser. Et ensuite, je pense que ça va forcément faire l'affaire. Dedans, il y a un petit cale comme ça. Si jamais vous ne voulez pas que ça bouge, vous pouvez caler les dents pour que ça puisse rester au même endroit. Peut-être par l'intérieur, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous pouvez caler les dents pour que ça reste au même endroit. Mais voilà. Là, nous sommes arrivés à la fin.
J'ai plus de produits à vous proposer, à vous montrer. Je vous ai un peu parcouru tout ce que j'ai pris sur le site de Amazon pour mes cheveux et que je pense qu'il y en a qui vont durer 2 ans comme les fers et tout à lisser. Ça va me faire 2 ans, voilà. Il y en a qui, les produits de cheveux là, ça peut me faire même 6 mois, 7 mois. De toute façon, moi, je mets moins de produits sur mes cheveux, mais pas trop, trop de produits. Donc, voilà. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que la vidéo vous a plu. Donc, n'hésitez pas à mettre des pouces pour m'encourager, pour ce travail que j'ai fait pour vous, là, de vous filmer tout ça. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez me regarder. Et on se dit à la prochaine vidéo. Tous les liens des produits seront dans la description. Donc, s'il y a quelque chose que vous voulez prendre sur le site d'Amazon, n'hésitez pas à cliquer sur le lien. Je mettrai les noms, les liens et tout le travail en fait. Comme ça, vous n'aurez pas grand-chose à faire. Donc, je vous laisse les copines. On se dit à la prochaine vidéo. Bisous, bisous. Mouah!